suis Ronny Broman, je suis médecin de formation, ancien président et toujours membre de Médecins sans frontières et cofondateur également de Reporters sans frontières. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où Julian Assange est arrivé dans votre vie, où vous en avez entendu parler ? Oui, je ne me souviens pas précisément de la date, mais je me souviens de l'énormité de la nouvelle, de Wikileaks, de tous ces télégrammes diplomatiques qui ont été rendus publics, enfin après filtrage et remise à la presse, mais quand même rendue publique. Et je me souviens d'ailleurs d'une conversation, enfin d'une petite confrontation avec Hubert Védrine. Nous étions invités avec d'autres à l'émission de Frédéric Taddeï pour parler justement de la question de la transparence des relations internationales, de cette révélation qui d'ailleurs montrait au passage que les diplomates américains, puisque c'était essentiellement d'eux qu'il s'agissait, même s'il y avait d'autres télégrammes, que les diplomates américains avaient un aperçu des situations, étaient capables de décrire des enjeux politiques, de les remettre en situation en perspective, avec une très grande précision, une très grande lucidité. Enfin, d'une certaine manière, il y a des choses qui sortaient à l'avantage de la diplomatie, simplement au sens de la compétence et de la vision politique et sociale des diplomates. Je cite ça au hasard, parce que ça m'avait frappé. Mais moi, je trouvais que c'était une excellente nouvelle, cette diffusion. On y apprenait des tas de choses, aussi bien sur la diplomatie américaine que sur le régime Ben Ali en Tunisie, que sur je ne sais plus si c'était là ou plus tard, sur la démarche qu'avaient faite François Hollande et Pierre Moscovici auprès de l'ambassade des États-Unis pour venir dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans la position de Chirac concernant l'attaque américaine contre l'Irak. Bref, il y avait des tas de choses extrêmement intéressantes. Et la position d'Hubert Védrine, parlant de transparence totalitaire, parlant de mise en danger des relations internationales, de l'action diplomatique elle-même, apparaissait totalement décalée par rapport à ce que nous apprenaient ces dépêches, qui avaient plutôt un rang, disons, d'archives historiques récentes permettant d'éclairer un certain nombre de problèmes et qui ne mettaient en danger ni la diplomatie, ni des agents ici ou là. Mais c'était en effet l'enjeu. D'ailleurs, l'enjeu était plus, enfin, à ce moment-là, moins la question de la sécurité éventuelle d'agents dont les noms auraient été révélés que de la substance des relations internationales et de la capacité des diplomaties à échanger correctement parce que, étant sous l'œil des projecteurs, elles étaient obligées de faire autre chose que de dire sincèrement ce qu'elles pensaient, ce qui n'était pas vrai du tout. Donc, j'étais, par le hasard des circonstances, plongé immédiatement dans le débat soulevé par Wikileaks, si bien que, effectivement, pour moi, c'est un souvenir vivant. Et alors, pourquoi vous vous êtes engagé ou à quel moment vous vous êtes engagé pour Julian Assange ? J'ai signé des textes ou des appels lorsqu'ils m'étaient proposés, parce qu'il me semblait évident que le sort réservé à Julian Assange, une fois les attaques judiciaires lancées contre lui, me semblait tout simplement folle. Il avait fait un travail d'information, de révélation de documents qui méritaient l'attention publique, et le voilà derrière les barreaux, ou en tout cas soumis à une traque judiciaire de la part des États-Unis qui était choquante, qui était révoltante. Je n'ai pas de date précise en tête, mais disons que dès que ça s'est présenté, je l'ai fait. Et par ailleurs, à la demande du comité de soutien, j'ai proposé à Médecins sans frontières, enfin à la
à la présidente de Médecins Sans Frontières, Isabelle de Fourny, que MSF, en tant qu'institution, en tant qu'organisme humanitaire, fasse partie du comité de soutien, en tout cas soutienne le comité de soutien, soutienne officiellement le comité de soutien. Ça a soulevé des débats internes tout à fait légitimes. D'abord, à MSF, il y a beaucoup de débats, donc il y a toujours des opposants, et après tout, c'est bien comme ça, c'est une règle pluraliste qui est tout de même constructive. Mais tout de même, ça a soulevé des débats très vifs, montrant que les attaques menées contre Julian Assange, sous-marin de Poutine, agent volontaire ou involontaire de Trump, prédateur sexuel, enfin, il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient de Julian Assange un homme infréquentable. Donc il a fallu lever un certain nombre de ces soupçons ou de ces accusations, ce qui n'a pas été d'ailleurs le cas de tous. Enfin, un certain nombre de gens ont gardé leurs doutes ou leurs accusations en tête, mais de justesse, le vote a été emporté en faveur de Julian Assange. Mais j'étais frappé de voir que même pour une organisation comme Médecins Sans Frontières, très rapidement capable de se mettre en situation critique, d'aborder des questions difficiles, comme on le voit en ce moment, par exemple, pour la guerre de Gaza, là, à ce moment-là, était, je ne dirais pas frileuse, parce que les sorts étaient partagés, la présidente n'était pas frileuse, mais d'autres l'étaient. Et il me semblait pourtant, et c'est d'ailleurs, j'ai aussi participé naturellement à ce débat, il s'agissait pour nous d'apporter notre soutien à quelqu'un dont l'activité recoupait la nôtre. Certes, Médecins Sans Frontières est une organisation médicale humanitaire, donc qui apporte d'abord des soins médicaux à des gens en situation critique, mais précisément parmi ces situations critiques, il y a des guerres, il y a des massacres, et il est dans la tradition politique, si on peut dire, de Médecins Sans Frontières, de parler haut et fort de ces massacres, de faire connaître, dans le but, non pas simplement de donner de l'information, nous ne sommes pas un journal, mais dans le but de faire pression sur les massacreurs, sur les acteurs politiques qui se livrent à des massacres, dans le but de faire pression pour rendre plus difficiles les massacres, pour, disons, comme on aime bien le dire à MSF, pour accroître le coût politique de ces massacres, les rendre plus lourds, les rendre plus difficilement acceptable. En quelque sorte, rendre la honte plus honteuse en la livrant à la publicité, selon la célèbre phrase de Marx. Et c'est une activité à laquelle le Médecins Sans Frontières est attaché et a montré son attachement au cours de son histoire. Donc il y avait une sorte de logique. Et d'ailleurs, là, nous avions avec un autre ancien président d'MSF, Jean-Hervé Bradol, qui était président dans les années 2000, rédigé une tribune parue dans Le Monde en soutien à Julian Assange. Je note d'ailleurs, comme nous étions deux présidents, anciens présidents d'MSF, que la lettre n'était pas du tout polémique, elle était factuelle, et c'était un soutien argumenté. Le Monde a été d'une certaine manière obligé de la publier, mais dans les profondeurs de son site internet, si bien que pour la lire, il fallait savoir qu'elle existait. Elle ne se présentait pas spontanément quand on ouvrait le site internet du Monde. Mais en tout cas, j'insiste là-dessus, cette logique me paraît, comme un certain nombre de mes collègues de MSF, me paraît évidente. La révélation de scandales en général et de crimes commis pendant les guerres ou de crimes de guerre ou de massacres de masse en particulier fait partie de l'action humanitaire, fait partie de l'action que mènent les organisations de défense des droits de l'homme, un certain nombre d'organismes humanitaires. Et il y avait donc là une rencontre qui, je pense, s'imposait. Et si elle ne s'est pas totalement imposée pour certains, c'est que la campagne de diffamation contre Assange a été relativement effective. Et justement, vous qui avez été vraiment au plus près de tragiques crises humanitaires, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact du mensonge d'État ou d'entité puissante
en fait sur la sur une société civile. Vous êtes en ce moment avec avec la guerre de Gaza, on voit à quel point des propagandes étatiques, des dénis de réalité, parce que c'est bien souvent une propagande négative plutôt que positive. Je veux dire par propagande négative le fait de masquer un certain nombre de choses, par exemple des intervenants, disons, qu'ils soient politiques ou individuels, pro-israéliens, qui mettent en doute de façon méthodique la montée de la famine dans la bande de Gaza, ou qui interrogent les chiffres et les destructions en montrant plutôt les endroits qui n'ont pas été totalement détruits. Il est évident que ce qui peut faire bouger les diplomaties, en particulier les diplomaties occidentales qui soutiennent Israël et qui lui permettent donc de poursuivre sa guerre, ce sont des images, des textes, des déclarations, des descriptions qui rendent compte de la réalité. Et si aujourd'hui on voit une certaine inflexion, elle est, au moment où nous parlons, elle est vraiment, disons, légère, mais elle est là. La lettre signée par les présidents de la République française, le président égyptien et le président jordanien, le premier ministre jordanien, l'atteste. Il y a quelque chose qui est malgré tout en train de se passer. La fréquentation d'Israël devient, dans les circonstances actuelles, problématique, très sensible. Bien ça, c'est l'information qui le permet. Si ce conflit avait eu lieu totalement à huis clos, comme le souhaitait, comme le voulaient, comme l'ont organisé les Israéliens, sans succès heureusement, mais c'est bien ce qu'ils voulaient, une telle position, un tel freinage, disons, n'aurait pas eu lieu. Justement, qu'est-ce que Wikileaks a pu changer? Ou alors, qu'est-ce qui en reste? Quelle est encore son influence sur... Il me semble que Wikileaks, enfin plus exactement les poursuites lancé contre Wikileaks, parce que sinon, ce qu'a apporté Wikileaks, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une meilleure connaissance des réactions diplomatiques face à telle situation, ou des objectifs de telle ou telle diplomatie, ou au contraire, ou à l'échelon, disons, plus intérieur, des manœuvres comme celle du Parti démocrate américain qui a magouillé, je crois que c'est le terme qui convient, pour miner la température, la candidature de Bernie Sanders. Donc bon, ça c'est l'évidence. Mais ce qu'a révélé les poursuites contre Julian Assange, c'est que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Révéler les crimes de la Russie, de la Chine, de l'Iran, c'est du pain béni. Tout le monde est content, les démocraties occidentales se renforcent, les dictatures orientales s'affaiblissent, c'est parfait. Mais le monde n'est pas aussi simple que cet affrontement binaire. Et il devient clair, si on regarde le sort de Chelsea Manning, d'Edward Snowden, évidemment de Assange lui-même, il devient évident que révéler les crimes, qu'il s'agisse de corruption, qu'il s'agisse d'assassinat, qu'il s'agisse d'entreprises criminelles, révéler les crimes qui partent de l'Occident démocratique, c'est se mettre en danger. Et malheureusement, je crains que, quelle que soit l'issue réservée à Julian Assange, là, qu'il soit finalement libéré, alors même qu'il purge une peine sans dossier, sans charge, sans possibilité de se défendre, puisqu'il n'y a même pas d'accusation. Enfin, il est en détention provisoire indéfinie, sorte de régime de détention administrative qui est de la part du pays qui a inventé l'habeas corpus, qui se vante comme la France et non sans raison d'être à l'origine de la notion de droit de l'homme. Il y a quelque chose de particulièrement choquant, enfin c'est un outrage monstrueux. Toujours est-il donc que si même demain on apprenait que les États-Unis abandonnent les charges, ce qui serait tout de même une très bonne nouvelle, enfin c'est la seule bonne nouvelle qu'on puisse attendre,
et que l'on souhaite pour Julian Assange, au passage également pour Snowden, et puis une réhabilitation de Tulsi Manning également, qu'il mérite bien, car c'est une héroïne impressionnante. Même son courage est littéralement écrasant. Enfin, c'est quelqu'un vraiment d'impressionnant. Mais donc, même si Julian Assange était libre demain, le sort qu'il subit depuis 2012, cette espèce de torture continue, cette privation sensorielle, privation totale de liberté et même de la lumière du jour, comme sa femme le rappelle souvent, et c'est pas rien de vivre plus de 10 ans sans voir la lumière du jour. Enfin, on a du mal à imaginer ce que ça veut dire, en plus d'être soumis à des menaces de mort, de voir sa santé à la fois psychique et physique se dégrader. Enfin, c'est effroyable. Eh bien voilà, le sort, l'espèce d'horizon de menace qui pèse sur tout journaliste ou organe de presse qui commencerait à déterrer des secrets que certaines puissances les plus influentes, occidentales, ne veulent pas laisser déterrer. Donc, Julian Assange révèle le risque, je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, il est bien réel, de s'en prendre aux grandes puissances et notamment à tous leurs secrets diplomatiques et économiques. Et justement, il y a plusieurs gouvernements qui se sont succédés aux États-Unis et qui ont à minima contribué, sinon accentué, la persécution à l'égard de Julian Assange. Est-ce que c'est une vengeance d'État ou un aveu de faiblesse? Je ne crois pas que les deux propositions soient exclusives. Ça peut être en effet une forme d'aveu de faiblesse. Quand on ne supporte pas d'être attaqué, c'est qu'on se sent vulnérable. Et sans doute, les États-Unis sont-ils, par un certain nombre de leurs pratiques, vulnérables en tant que puissance se présentant comme à la tête du monde démocratique, une sorte d'avant-garde des droits de l'homme, par sa destinée manifeste. Et sans doute, les États-Unis voient-ils l'exceptionnalisme dont ils se réclament mis à mal par ça. Donc ce sont des zones de vulnérabilité, en effet. Mais il y a, à l'évidence, une vengeance d'État, une vengeance même d'État au sens américain du terme, c'est-à-dire bipartisane. Les républicains, comme les démocrates, s'en sont pris et continuent de s'en prendre à Julian Assange, et les démocrates, notamment du fait que les révélations d'Assange ont en effet affaibli la candidature d'Hillary Clinton. Ça, il me semble que c'est un fait avéré, mais l'ont affaibli pour des raisons qui méritaient d'être connues et donc qui n'ont rien d'immoral. Ce n'est pas une forme de coup bas tordu qui serait arrivé d'on ne sait où. Ça vient de leurs propres pratiques qui sont difficiles à défendre, en tout cas en l'occurrence, qui étaient même profondément indéfendables. On peut imaginer, ça a été le cas, que Bernie Sanders, ayant été finalement désigné par le parti démocrate, il aurait pris un certain nombre de voix à Donald Trump et il aurait évité et non pas aidé la candidature de Trump. Donc l'argument des démocrates se retourne contre lui-même. Mais oui, il s'agit d'une vengeance. Alors, une vengeance. L'État américain, première puissance du monde, économique, militaire, policière, tout ce qu'on veut, s'en prenant à un individu isolé qui n'est soutenu par aucune puissance, ça montre une sorte de disproportion de force une cruauté, une ténacité dans la traque qui sont en elles-mêmes choquantes. C'est pour ça que je me disais un aveu de faiblesse dans le sens où il leur fait la vision, en tout cas, de Julian Assange et les idéaux qu'il portait leur a fait suffisamment peur pour avoir la nécessité de le détruire, puisque quelque part, c'est ce qu'ils font, je crois, c'est faire en sorte qu'ils ne puissent plus jamais porter ce genre
de projet. Oui, moi, je dirais que, d'une certaine manière, Assange a été détruit, partiellement, certes. Heureusement, il est encore vivant, mais il a été psychiquement et physiquement, profondément atteint. Donc, mais surtout, ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est la menace qui pèse sur toute personne, tout organisme, qui voudrait prendre la suite, prendre le relais, alors que c'est, Assange l'a bien montré, indispensable. La vitalité démocratique a besoin, non pas d'une transparence absolue, d'ailleurs Wikileaks ne fonctionnait pas dans une transparence absolue, ça n'était pas la chose, mais a besoin que la quantité d'informations restant secrètes soit aussi limitée que possible et aussi brève que possible. C'est les deux. Il y a plein de choses qui mériteraient d'être connues et qui sont gardées secrètes parce qu'elles sont considérées comme sensibles ou mettant en cause des personnes, etc. Ben, oui, mais ça fait partie de la vie politique, de la vie publique. Et puis, il y a des choses qui sont inévitablement, disons, secrètes pendant un certain temps, mais qui ne doivent pas rester secrètes pendant longtemps. Eh bien, faire ce travail de révélation d'informations dans un certain nombre de secteurs, ça va se révéler extrêmement dangereux. On sait ce qu'il en coûte de s'en prendre, enfin on a vu des journalistes russes tués en Centrafrique ou ailleurs, on sait ce qu'il en coûte de s'en prendre au secret de Wagner, de certains contrats signés par les Russes. Eh bien, on voit maintenant aussi ce qu'il en coûte de s'en prendre à des secrets que les États-Unis veulent masquer. Et au passage, d'ailleurs, on voit à quel point la dimension extraterritoriale du droit américain est aujourd'hui acceptée comme une évidence. Enfin, c'est un sujet australien, les choses se sont passées en Europe. À aucun moment le territoire américain n'est concerné, mais les États-Unis veulent faire peser leurs lois sur l'ensemble des territoires qu'ils estiment être, d'une certaine manière, sous leur juridiction, en tout cas intégrés à leur domaine, à leur territoire de légalité. C'est la question de l'extraterritorialité du droit américain, ce qu'on ne découvre pas avec Assange. Il a déjà été, c'est déjà montré dans d'autres circonstances, toujours extrêmement cruel d'ailleurs, mais c'est une occasion de plus de le redécouvrir. Alors comment, disons, le monde de l'information dans son infinie diversité va continuer après cela. Y a-t-il un avant et un après poursuite contre Assange? Il est trop tôt pour le dire, mais on peut le supposer, en tout cas. Et c'est donc une question particulièrement grave. Vous qui êtes médecin, vous avez déjà à plusieurs reprises évoqué les conditions de détention de Julian Assange. Mais en tant que médecin, est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de ce que on a évoqué, le manque de lumière, voilà. Mais comment on peut résister à ça si... Mais vous savez, les études de médecine et la pratique médicale nous forment à des situations de pathologie, disons, observables dans le milieu ordinaire. Bon, moi, j'ai fait un peu de chirurgie d'urgence, de la médecine tropicale. Je me suis aussi intéressé à des situations pathologiques hors de l'ordinaire, c'est-à-dire pathologie de guerre ou pathologie tropicale ou pathologie de la dénutrition, des choses comme ça. Mais la pathologie de l'enfermement, de la torture par l'isolement, par l'organisation d'une sorte de détresse mentale chronique, ça, je ne peux que faire des hypothèses là-dessus, ou bien me référer à certains travaux, mais ces conditions de vie sont quand même très, très particulières. Ce qui le tient, et c'est extrêmement important, c'est, je pense, pour ce qu'on peut en saisir, une conscience aiguë du rôle important qu'il a joué, qu'il continue de jouer, une conscience aiguë du soutien, malgré tout, très important, dont il bénéficie, heureusement. Et cela, aujourd'hui d'ailleurs, on entend même des voix de Gaza qui disent la même chose, avoir conscience d'un soutien, même quand on est plongé dans la détresse la plus noire, la plus sombre, ça aide à tenir. Donc une partie de sa résistance
procède de cette conscience du soutien. Par ailleurs, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement volontaire pour monter ce dispositif qui était Wikileaks et puis continuer de le faire malgré les menaces. Il faut avoir une force mentale, une résistance psychique tout de même, j'allais dire exceptionnelle, je ne sais pas, enfin quand même, disons très, très, très grande. Cela étant, la physiologie reste la physiologie. Quand vous êtes privé des rayons du soleil pendant des années et des années, vous avez des processus de déminéralisation qui s'enclenchent avec une fragilisation osseuse, avec un tassement vertébral. Lorsque vous êtes soumis à un stress chronique, puisque vous ne savez jamais ce qui va finalement vous arriver, à tout moment, une décision peut intervenir et Assange peut se retrouver condamné à mourir en prison dans l'isolement le plus total. Ça s'appelle un stress chronique. Le stress chronique a pour effet d'affaiblir les défenses immunitaires, de rendre la personne plus fragile, plus susceptible d'attraper n'importe quelle infection, n'importe quelle bactérie ou virus circulant. Et puis, nous sommes des êtres sociaux. L'isolement, l'enfermement total dans lequel il se trouve, dans la prison de Belmarsh, en Grande-Bretagne, cet isolement est particulièrement dur, ça atteint évidemment aux capacités même, aux capacités cognitives, aux capacités mentales. Je ne veux pas dire qu'il est en train de devenir fou, mais je veux dire qu'il y a une souffrance psychique extrême, avec inévitablement des conséquences physiques. Il n'y a pas d'un côté l'esprit, de l'autre côté le corps, c'est un ensemble complet et les conséquences de cet isolement sont diffuses dans une sorte d'affaiblissement général. Donc je me demande dans quelles conditions il va sortir de là. Ça dépend aussi de sa capacité à bouger physiquement, quelle place il a. Il a 6 mètres carrés, je crois, dans cette prison de Belmarsh. Enfin, c'est une geôle de Louillon, ce sont des oubliettes dans lesquelles il a été jeté. Comment on sort de là? Je serais incapable de le dire, mais je pense qu'il est important de dire que ça mérite, et d'ailleurs ça a été acté comme tel par des gens qui sont habilité à le faire, ça mérite le nom de torture. Oui, c'est tout le travail de Nils Melzer pour les Nations Unies, mais que la Grande-Bretagne a totalement balayé, pas que la Grande-Bretagne. Vous connaissez un pays qui reconnaît pratiquer la torture? Non. Aucun. Pas encore. Même Israël, qui a légalisé la torture, parle de pression physique modérée. C'est le terme consacré pour parler de torture là-bas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui, chez vous, en vous, est touché par Julian Assange, vous en tant qu'homme, en fait L'iniquité du sort, l'énormité de sa situation. Lors d'un rassemblement public à la Bourse du Travail, l'an dernier, je parlais d'une sorte d'affaire Dreyfus. Il y a une machination qui a une espèce d'allure totalitaire ou qui a une allure, disons, orwellienne dans ce qui se abat sur lui. Et on ne peut pas manquer, enfin en tout cas moi je ne peux pas manquer de m'identifier à lui par le fait qu'il n'a fait aucun tort à personne, et que lui, il avait une mission, un but politique, et de cette manière, j'ai été militant, je le reste un petit peu, donc je comprends cette volonté d'engagement, ce goût de défier les puissances. C'est quelque chose de sympathique en soi, parce que c'est un défi pacifique, donc en soi c'est sympathique. Et puis, le ciel lui est tombé sur la tête. Et ça,
ça ne peut pas laisser indifférent. Donc voilà, le côté affaire Dreyfus, c'est-à-dire fabrication d'une accusation sans aucun fondement réel, la confrontation avec une énorme puissance, la vulnérabilité d'un être qui est isolé, mais qui n'est pas seul, ou qui est seul, mais qui n'est pas isolé. Je ne sais pas dans quel sens ça marche, en tout cas, qui a des soutiens, mais enfin, qui est tout de même d'abord dans sa boîte, là, tout seul, jour et nuit. C'est extrêmement touchant. Enfin, on sent pas seulement de la sympathie politique, mais aussi de la compassion, tout simplement, pour lui. Et vous êtes très engagé. Et est-ce que votre engagement pour lui a changé quelque chose chez vous ? Non. Une rencontre. Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré. Entre ses idéaux et les vôtres, ça c'est. Disons, non, pas ses idéaux et les miens. Son action me touche, son action me convainc, j'ai envie de la soutenir. Je ne me reconnais pas dans ses grandes idées sur la liberté par Internet. Je pense qu'il accorde à. Enfin, ce que j'en connais, je n'ai pas lu ses œuvres complètes, mais ce que j'en connais ne me convainc pas. Disons, sa croyance dans les vertus émancipatrices de la technologie ne me convainc pas. Mais ce n'est pas pour autant, donc je ne suis pas un inconditionnel, je ne vois pas un gourou et je serai un de ses disciples, mais je sympathise avec l'homme et son action sans aucune réserve. Et vous avez aussi, comme vous l'avez dit, cofondé Reporters sans frontières. Et c'est vrai que le journalisme de Julian Assange et Wikileaks, c'est quelque chose, comment dire, auquel on n'est pas encore habitué. Il y a des personnes, vous savez, qui n'arrivent pas à poser le terme de journaliste pour qualifier Julian Assange, qui vont dire lanceur d'alerte ou cybermilitant ou ce genre de choses. Et ce journalisme de masse tel que Wikileaks a créé, quoi, c'est pas encore quelque chose qui passe, ce qui l'isole aussi des grands soutiens médiatiques. Oui, en effet, les grands médias sont en quelque sorte pris à partie par Assange et ses méthodes. Mais ils ont su quand même en tirer parti, puisqu'ils ont d'ailleurs, dans un travail quand même assez considérable, ils ont publié un grand nombre des câbles, les ont mis en forme, comme c'est leur travail, parce que la matière brute, ça n'est pas publiable en soi, c'est une matière mise en forme, qui est nécessaire, c'est une matière nécessairement mise en forme, pardon, qui doit être publiée. Et ça rend d'autant plus problématique l'espèce de lâchage ou la gêne ou la froideur avec laquelle les grands médias qui ont publié les câbles, les télégrammes, les informations révélées par Wikileaks, considèrent aujourd'hui Assange. Je trouve cette distance, cette froideur vis-à-vis de cette personne très, très choquante, très, très problématique, même des journaux enfin, que je lis régulièrement, comme le Guardian, se sont directement pris à lui pour sur des faits qui en plus étaient faux, ses rencontres avec Trump ou que sais-je. Donc, y a là quelque chose dont je pense, à un moment ou à un autre, ces médias devront s'expliquer, justement dans un souci de compréhension, qu'est-ce qui est réellement reproché à Assange. Qu'il ne soit pas quelqu'un de parfaitement sympathique, peut-être. Mais alors, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens avec qui il faudrait revoir ses relations. Ce qu'il a fait, certainement pas, rien de fâcheux ne peut lui être imputé, et au contraire, beaucoup de choses peuvent être portées à son crédit. Donc, à ce stade, j'ai le plus grand mal à comprendre, ou en tout cas, je suis choqué, c'est mieux dit comme ça, choqué par le peu de soutien que les médias lui apportent. Comme vous l'avez dit pour votre tribune co-signée, où c'était dans les fins fonds du site internet, sur les mobilisations, sur l'information juste,
on n'arrive pas du tout à les embarquer. Donc à un moment donné, clairement, c'est plus qu'inquiétant, puisque finalement, on défend le journalisme, le droit à l'information, etc., et refuse de défendre. Oui, défendre l'information libre malgré le journalisme, disons, institué, c'est une situation en effet très paradoxale. Et alors, quels sont vos espoirs pour cette affaire, si vous en avez ? Ah, je pense qu'il y en a, il y en a qu'un, que les charges contre Assange soient abandonnées, je dirais même plus, que des excuses lui soient présentées, que des indemnités lui soient versées. Enfin, c'est un prisonnier d'opinion, c'est un prisonnier politique, torturé, emprisonné depuis 12 ans maintenant, c'est bien cela. Oui, on lui doit à la fois la liberté, enfin, ceux qui l'ont mis en prison lui doivent la liberté, lui doivent des excuses et doivent au moins payer financièrement un dédommagement pour tout ce qu'il a subi. Voilà ce que je souhaite. Et puis, dans la foulée de cela, qui est une sorte d'examen de conscience de la presse, ça existe. Hein. Avec Reporters sans frontières, par exemple, à l'époque où Jean-Claude Guibaud, le journaliste éditeur, était le président de Reporters sans frontières. Donc c'était à la suite de la révolution roumaine, enfin, disons, du renversement de Ceausescu et de la guerre du Golfe, donc deux événements totalement séparés, mais dans lesquels la presse avait été embarquée et s'était laissée, disons, embarquée dans des zones vraiment problématiques. Il y avait eu deux colloques qui étaient de véritables réflexions communes, critiques, vis-à-vis des méthodes de la presse. Il y avait un certain nombre de choses qui avaient été dites et qui n'étaient pas défendables. Par exemple, le suivisme des... En gros, c'était ça, d'ailleurs, c'était le suivisme médiatique. Le suivisme vis-à-vis des forces internationales dans la guerre du Golfe, où tous les journalistes étaient, comme on a appris à le dire à l'époque, « embedded », sans aucun recul avec la réalité de cette guerre, des réalités qu'on a apprises plus tard, ou bien au moment de la supposée révolution roumaine, enfin, qui suppose des guillemets, le charnier de Timișoara, l'espèce d'émoi hystérique qui s'est emparé de tous à ce moment-là, en dépit du fait qu'il était à peu près évident que ce que l'on avait vu n'était pas un charnier, mais une tombe collective de personnes qui avaient été autopsiées. Eh bien, je me souviens de ces deux journées de réflexion qui rassemblaient presse audiovisuelle et presse écrite, et un grand nombre de reporters qui avaient été sur ces terrains-là, qui réfléchissaient en commun sur les conditions à remplir pour qu'on évite cette espèce d'emballement, cette... aveuglement collectif, eh bien, je trouve que quelque chose du même ordre devrait être organisé par des institutions de journalistes. Je pense à Reporters sans frontières, mais à Article 19, à Index on Censorship. Enfin, il y a de multiples organisations, la Fédération internationale des éditeurs de journaux. Enfin, il y a au moins une demi-douzaine de grandes organisations, plus ou moins syndicales, mais aussi plus ou moins, disons, professionnelles, qui aurait intérêt à se pencher sur cette question, sur tous les débats qu'a suscité l'affaire Assange, car Assange, c'est une affaire, et je pense que le journalisme en tirerait profit. Alors, s'il était devant vous, là, ici, qu'est-ce que vous lui diriez maintenant à Julian Assange ? Welcome back, je lui dirais... bienvenue dans le monde réel, puisque s'il était devant moi, ça voudrait dire qu'il est libre, et puis je le féliciterai, je lui dirai toute l'admiration que j'ai pour sa ténacité. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez rajouter ou... Rien qui me vienne, là. Peut-être que quand je serai sur mon scooter, me viendra l'idée que c'est essentiel que j'aurais loupé, mais pas pour l'instant. D'accord. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup.